vous attendiez quelqu'un? Non, non. Vous voulez que j'aille voir? Ouais, je veux. Tu n'as pas vu Scream? Non, j'ai pas vu Scream. Bah, attends, mais tout le monde a vu Scream, attends. Bah, tu rigoles, mais j'ai fait découvrir ce film-là récemment. C'était quand? La semaine dernière, je crois? Ouais, c'est vrai. La semaine dernière. Non, mais en fait, j'ai préféré Halloween de Carpenter. J'ai pas du tout aimé Halloween. Quoi? Mais Halloween, c'est un classique. Ça va, je suis pas non plus une fan de films d'horreur. Non, Halloween, c'est un slasher. C'est la même chose, en fait. Vous n'y connaissez rien, tous les deux? Oh là là, et l'autre? Ça va, c'est film pour ados. Exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire. Je peux pas vous laisser dire ça. On a qu'à dire qu'Halloween, c'est un film un peu plus mature. Bah, disons que le personnage de Michael Myers, c'est quand même assez badass. Hein. Mmh. Après, ce qui rejoint un petit peu les deux films, c'est leur introduction qui est excellente. Oui. Mmh. Oui, enfin, le Michael de 2007, il est quand même plus imposant que celui de Carpenter. D'accord. Enfin, j'aime déjà mieux ça quand même. Ah, je suis d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et vous avez vu Shining? Oh, ouais, bien entendu, allez, check. C'était tellement à chier, on est d'accord. Quoi? Mais Shining? Mais Shining, c'est The Classic, comment tu peux dire ça? C'est vraiment de la merde, hein. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est on prend des hémoglobines, on les balance partout, sur les murs. Non, mais c'est... Maintenant, ce qu'elle dit, il n'y a même plus de psychologie des personnages, maintenant. Rassis-toi, j'ai frappé. Salope. Et oh, là, il rigole. Il est rigolo. Hein. Et Hostel, on peut en parler? Bien sûr. C'est quoi? On peut le considérer comme quoi? C'est un film d'horreur érotique? Ça, c'est un torture porn. Non, enfin, c'est pas un film porno pourtant. Non, attends, ça n'a rien à voir. En fait, bah, tu vois Saw. Oui. Bah, ça, c'est un torture porn. Je comprends pas. C'est pas un film de cul. Non, non, un torture porn, c'est un film d'horreur réaliste. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Mmh. Va pas chercher. Donc, par exemple, Cannibal Holocaust avec tous ces zoophiles là, ça, c'est un torture porn. Non, ça c'est un documentaire animalier que je trouverai sur Arte. Con, lui. Vous connaissez l'histoire de la demoiselle de la mort? Aileen Carol Warnos. C'est qui? Cette personne est loin d'être une fiction. Elle est décédée le 9 octobre 2002 en Floride. Elle fut condamnée à la peine de mort par injection létale pour avoir assassiné 7 hommes en Floride en 1989. Ces hommes l'auraient violée, ou auraient tenté de le faire alors qu'elle faisait la pute. Elle a été reconnue coupable et condamnée à mort pour 6 des meurtres. Un décor n'a jamais été retrouvé. Mais attends, elle est n'importe c'est quoi. C'est pas drôle du con. Toi, cher de rire. Oh, rigole, si j'ai rien fait. Oh. Vous attendiez quelqu'un? Non. Non. Vous voulez que j'aille voir? Ouais. Ouais. Hey, hey, salut Félix, ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Alors j'ai une quattro fromaggi et une pizza au thon. Pour le thon. Alors ça va faire 19 euros chef, s'il te plaît. Ouais, je te donne ça tout de suite.